Tarty Malin, marque Président. Et puis, on sait qu'il y a du lait et de la crème, mais l'origine est totalement inconnue. Alors ici, on a un fromage à tartiner de la marque Métro, avec du lait et crème origine France, donc rien à dire. Cuisiné, du sémoré, fromage au lait pasteurisé, lait, crème pasteurisée, Französischer Meathaus, pasteurisé sur Milch. Bon, c'est marqué en allemand, distribué pour la France par Savencia. Tiens. Et est-ce que c'est du lait français? C'est pas marqué. Ça serait quand même sympa de pouvoir avoir ce genre de logo. Je le rappelle, c'est un logo que l'on emploie depuis 2014 sur la brique de lait UHT et depuis le mois d'octobre 2023 sur les entreprises qui veulent bien sur l'emmental. Donc on s'aperçoit quand même que quand les pouvoirs publics cherchent à informer le consommateur, nous les premiers, là aujourd'hui, on n'arrive pas à voir l'origine du lait et qui est dans ces produits. Ça serait minimum de pouvoir employer ce logo qui est, dont le visuel est maintenant connu du consommateur